sans consommer. Bon, mais écoute, moi j'ai appelé la police, normalement il ne devrait pas tarder à arriver. Bah, hein, justement, tiens, vas-y. Bonjour, police nationale. Bonjour. Bonjour. Elle s'est sûrement enfuie, on a cherché partout et on l'a pas retrouvée. Ne vous inquiétez pas, madame. Votre pensionnaire ne doit pas être très bon. On a déjà envoyé une patrouille. Qu'avez-vous fait avec cette dame avant de partir? Rien. Rien de particulier, comme d'habitude, quoi. Avez-vous remarqué un changement de comportement ce matin? Qu'avez-vous fait avec elle? Rien de spécial. Je lui ai lu un petit passage d'une légende creusoise. Mais Christophe, tu sais très bien qu'on raconte pas ce genre de livres et d'histoires à nos pensionnaires. Enfin, ça invente des lieux, des situations. Et de quoi parlait ce livre? C'était une légende sur les pierres jaunâtres. Et elles sont où ces pierres jaunâtres-là? À Toussaint-de-Croix, à quelques kilomètres d'ici. Avez-vous une photo de votre pensionnaire? Oui, oui, j'en ai préparé une. Merci. Moi, je vous ai préparé le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre si vous avez des nouvelles. Ok, j'en informe nos patrouilles. D'accord. Alors, Christophe, toi, tu prends la voiture de service, tu te rends là-bas au cas où elle y serait, et moi, je reste ici si jamais vous revenez. Ok. Et merci, messieurs. Au revoir. Merci, messieurs. Au revoir. Alors, coupe pour la guerre.